Gloire, gloire. Amen. Bien-aimés, je vous invite à prier pour la parole. Nous prions pour la parole de ce soir. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Change ma vie à travers ta parole, Seigneur. Que je marche selon tes écritures, Seigneur. Dis, Seigneur, le prédicateur qui t'a préparé pour nous ce soir, que ce ne soit pas lui qui nous parle, mais qu'il parle la part de Dieu, qui nous parle, qu'ainsi dit l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Et comme il attend au Tolinto Yo Kalilo Banayo, papa. Yesu Messia. Tokolia kakabilo ko to lambakati. Mais tu lingis kotolia. Lobanayo ya motuya. Oye bongo la ka vie à moto. Oye change ka destiné à moto, père de gloire. Oye kota kasoke kotina katia motema e fanzi pezu sika. Vie à moto change ka père de gloire. Prédicateur, nous préparer biso ce soir. Ou à côté à l'Ilobanayo. Zambé mon nom mon sang se tombe dans l'ansout. Na bon moi naïe. Et ça la yété. Mais mon nom mon sang au père de gloire. Mon bel abisson à pourquoi l'Ilob. Mon nom mon sa distraction. Mon nom mon sa yère pour nous distraire. Biso père de gloire. Et même ma yère pensée à la biso père de gloire. La télé mille à moi à la moussique à la mille sans effet par au nom puissant de Jésus. Tout le monde a changé mon nom et mon nom. Je suis le combo de Jésus Messie. Amen. Sans plus tarder, je invite Bergemio qui va nous prêcher la parole ce soir. Dans la zone de Kobete, Yesu, ma boko makasi, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer son frère ou sa sœur? Prenons nos Bibles rapidement au livre de Matthieu, Matthieu 13, des premières à 9, après on va continuer. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortait pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Après, on va continuer. Merci. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Amen. Je sais que plusieurs fois, on a déjà lu cet passage. Mais Dieu m'a mis encore au cœur qu'on partage un petit peu sur ce sujet. Notre thème aujourd'hui, donc on va parler des semences et les types de sols. Alléluia. On va parler de la semence et les types de sols. Je sais qu'ici, la Bible nous parle un peu des semeurs. Et si on suit bien cette parabole, la Bible dit qu'un jour, Jésus, il était chez lui, mais il est parti. Quand il est parti au bord de la mer. Si on voit, il y a pas mal de moments, Jésus partait suivant au bord de la mer. Au bord de la mer, si je comprends bien, les gens qui restaient suivant là-bas, c'était des pauvres. Les gens qui étaient ignorés. Donc, c'est que Jésus, il avait toujours la compassion pour ces gens-là qui étaient vraiment ignorés. Et Jésus, quand il est parti, il a pris une barque, il a monté. Et quand il a monté, il a resté à la foule qui l'entourait, et lui, il a commencé à parler. Et c'est parabole, je trouve vraiment, c'est une parabole. Et on dirait que quand Jésus parlait ici, il voyait déjà l'Église. Quand Jésus il était en train de citer cette parabole, et il voyait déjà les sortes de chrétiens qu'on voulait retrouver dans une Église. Et quand il commence à parler, il dit qu'un semeur, il est sorti pour semer. Donc c'est ça que si on comprend bien,
C'est le sommaire que cette passage est en train de parler. Il parle de lui-même, Jésus. Donc il sait qu'il a quitté les lieux célestes. Il est venu sur la terre pour semer la semence. La Bible ne parle pas c'était quelle la semence. Mais la Bible dit qu'il est sorti pour semer. Mais quand il est parti pour semer, il y avait une partie qui est tombée dans les chemins. Et il y a une autre partie qui est tombée dans les lieux pleurés. Et il y a une autre partie qui est tombée dans les lieux où il y avait les épines. Et il y avait une autre partie qui est tombée dans une bonne terre. Alléluia. Si on comprend la Bible ici, il est en train de nous parler de quatre types de sols, ou bien quatre types de personnes, comme on veut expliquer, ou bien quatre types de gens, ou bien quatre types de chrétiens. Mais si on suit bien l'histoire, il y a quatre types. Et si on prend un cercle, si on fait un cercle, on le divise par quatre, là, on va essayer de comprendre combien de gens ou bien qui ont compris la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Et Jésus, il a commencé à typifier, ou bien il a commencé à expliquer. Parce que Jésus, il avait une manière d'expliquer les choses. Comme je parlais avec Papa Floden, Jésus, des fois, il voulait expliquer une chose. Mais quand il voulait expliquer cette chose, il prenait exemple et dit une autre chose. Mais suivant, il prenait l'exemple des choses que les gens connaissent. Alléluia. Jésus veut expliquer des choses qui sont spirituelles, les choses qui sont célestes, mais l'explique en prenant les choses qui sont terrestres. Afin de faire comprendre le pourquoi. Parce que les choses qui sont spirituelles, ils sont très très compliquées. Alléluia. C'est pour cela qu'il prenait toujours l'exemple des choses qui sont matérielles, les choses qu'on voit, afin de comprendre ce qu'il lui veut nous expliquer. Si on suit bien l'histoire, Jésus c'était quelqu'un qui parlait beaucoup de paraboles. Et si on voit dans cette verset, ou bien dans ce livre, dans le chapitre 13, il a parlé à pas mal de paraboles, il a parlé beaucoup de paraboles qui concernaient toujours la semence, les semères, les sols. Mais quand il a commencé à expliquer en bas, il a dit, les semences qui a tombé sur le chemin, il a dit, ce sont les types de gens qui écoutent la parole. Mais quand il écoute la parole, les oiseaux, ils viennent, ils l'arrachent, ou bien ils prennent ce qui lui l'a écouté. On va essayer de rester un petit peu ici. Donc c'est que, comme je dis, on fait un cercle, on va diviser ça en quatre parties. Donc si on divise ça en quatre parties, c'est qu'on va prendre un peu 25%. Donc ça signifie quoi en fait? Jésus l'a dit, donc Jésus est en train de dire que quand la parole sort, quand la parole est prêchée, 25% des gens qui reçoivent la parole, mais malheureusement, comme c'est dans les terres ou bien sur le chemin, cette parole n'entre pas dans leur cœur. Cette parole fait quoi? Il reste superficielle. Donc c'est que Jésus est en train d'expliquer que dans l'église, ou bien dans les gens qui viennent pour écouter la parole, il y a pas mal de gens aussi qui sont superficiels. Alléluia. Donc c'est que les gens, quand ils sont superficiels, ils ne prennent pas les choses à la profondeur. Il y a des relations qui sont superficielles, comme aujourd'hui en Europe, on voit il y a pas mal de choses, des fois, non, c'est une relation libre. Non, c'est une chose superficielle. Or, Dieu, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est des gens qui sont tièdes et des gens qui sont superficiels. Quelque part, ce que Jésus veut dire, non, c'est le moment de prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux faire? La parole est là. Il y a des risques. Quand quelqu'un est superficiel, il y a des risques. Ou bien il y a des gens qui vont le piétiner, ou bien les oiseaux qui vont venir pour arracher ce qu'il a. Les dangers, c'est quoi? Il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens aujourd'hui, quand quelqu'un est vraiment superficiel, il a la facilité d'accepter tout. Alléluia. Quand quelqu'un est superficiel, il a la facilité d'accepter toutes les doctrines. Pourquoi? Il n'y a rien qui est profond à lui. Il a l'impact avec rien. Il a la souci avec rien. J'avais un ami en Angola, des fois il me faisait peur. Pourquoi il me faisait peur? Si tu le dis, on sort, on sort. Ah, on s'assoit, on s'assoit. Un jour, je lui demandais, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Tu ne prends jamais une décision. Tu ne commences jamais rien.
Donc tu acceptes presque tout. Et ce sont les dangers. Parce que la Bible nous dit, un homme spirituel, il analyse tout. Mais ne laisse pas que les choses dans ta vie soient superficielles. Il y a des gens des fois qui prennent sérieux le travail et qui ont fait des jours chaque jour. Mais quand c'est les choses de Dieu, ils prennent ça superficiel. Donc c'est qu'il a, il a un pacte avec rien. Et pourquoi? Parce que le cœur, il est devenu dur. Je vais donner un exemple. Ça m'a déjà arrivé, oui, je suis déjà parti dans le village de mes parents. Ça date tellement, donc je ne sais pas vraiment. Les années 80, si je ne me trompe pas. Et un jour, quand si tu vas dans le village, il y a Matite. Il y a Matite à côté. Hein? Après, il y a une... Mais quand tu vois ça, c'est pourquoi? Ça montre que les gens piétinent beaucoup. Et le problème, c'est quoi? La terre, ils s'endurcit. Et il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens. Ils ont devenu superficiels. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mensonges qu'ils ont entendus dans leur vie. Ça les a rendus aussi superficiels. Donc c'est que quand on jette une semence, la semence va rester toujours. C'est ça que je dis. Le risque c'est quoi? Ou bien on va te piétiner, ou bien les oiseaux vont venir. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il a dit, les oiseaux que je suis en train de parler ici, c'est le diable. Alléluia. Vous comprenez ça? Moi j'aime bien dire ça. Diable ne veut pas ton argent. L'argent, c'est une stratégie pour t'affaiblir. Ce qui vient voler de toi, c'est la parole de Dieu qui est à toi. Pourquoi? C'est manque de connaissances que mon peuple périsse. Jésus l'a dit, je ne veux pas que vous soyez superficiels. Je ne veux pas que vous soyez tièdes. Il a continué. Il a dit, il y a l'autre qu'on appelle ça des terres pierrées. Il y avait tellement de pierres, il y a un petit peu du sol. Et donc quand le semence tombe, la Bible dit quoi? Ils grandissent. Ils grandissent. Mais ils ne restent pas. Pourquoi? Le soleil vient et brûle tout. On va lire ça un petit peu. Matthieu 13, 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Deux secondes. Aujourd'hui, on va procéder avec Frère James. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a écouté. Mais le problème, c'est quoi? Il ne comprend pas. Alléluia. C'est pour cela, Église de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne les comprends pas, ne pars pas comme ça chez toi. Alléluia. Amen. Je vais répéter. Soto yo qui m'a le banzambe, mais au comprendre, on ne retourne pas comme ça chez toi. Parce que c'est un danger. Écouter, ce n'est pas mauvais. Mais les choses qui est mieux, c'est de les comprendre. Donc c'est qu'on a semé. Le semeur, il a jeté. Il a écouté. Il a jeté. Mais ça n'a pas poussé parce qu'il n'a pas compris. Alléluia. On y va, tonton Jean. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Alléluia. Continue. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Tonton Jérôme, assieds-toi un petit peu. Après, tu vas t'élever encore. Donc, c'est qu'il a dit quoi? Le deuxième sol, donc c'est que 25%, c'est au contraire de la première. Les 25, c'est quoi? Ils écoutent. Et quand ils reçoivent cette parole, ils reçoivent ça avec joie. Alléluia. Je crois qu'on a déjà vu ça pas mal de moments. Il y a des moments dans l'église, on prêche, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sautent. Mais quand il sort, demande-lui, aujourd'hui on a parlé sur quoi? Oh mon éteint, frère, on a Théa qui vient, le bon, d'accord. Il a parlé sur quoi? Vous comprenez ça? Donc il peut s'engager dans ces moments-là. Hey, qui veut faire ça? Moi. Il y a dans la joie. Qui veut toucher? Moi.
Mais quand il sort, c'est ça le problème. On va imaginer. On a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Des fois, quand on va à l'église, il y a des fois, on a une seule journée devant la présence de Dieu. Des fois, on a une seule journée de la présence de Dieu. Et les restes des jours, on fait les choses qu'on veut faire. Le danger, c'est quoi? C'est la parole qu'on reçoit dimanche. On ne les comprend pas. Lundi, on va trébucher facilement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est des gens qui reçoivent la parole avec joie. Ça commence à pousser un peu. Mais quand le soleil vient, le soleil c'est quoi dans cette explication? Il a dit, le soleil, c'est des problèmes. Le soleil, c'est la persécution. Et qu'est-ce qu'il va faire dans la première persécution? Il trébuche. C'est ça le danger. Donc si on comprend bien, il va trébucher parce qu'il n'a pas de racines. Parce que s'il y a une chose qui retient une arbre, c'est les racines. Quand une arbre n'a pas de racines, il a la facilité de tomber. Pourquoi? Il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien qui est en train de le maintenir avec le sol. Oh, bien aimé, on va chercher que la parole qu'on reçoit de Jésus est botami, si ça n'a pas moins d'abissons. C'est pas mauvais d'écouter et dire faire ça. Il y a une histoire dans la Bible. Un jour, Jésus est parti dans la maison de quelqu'un qui s'appelait Simon. Mais il y avait une époque qu'il avait la lèpre. Ils ont les surnommé Simon le lépreux. Et Jésus, quand il est parti chez cet homme, il a accueilli Jésus, c'est lui. Et ils étaient là en train de manger. C'était presque une fête. Ils mangeaient. Mais si on suit bien cette histoire, Jésus ne disait rien. Mais il y a un moment, il y a une femme qui est entrée. Et cette femme, quand elle est entrée, il est parti direct dans les pieds de Jésus. Qu'est-ce que cette femme faisait? Cette femme, elle a commencé à pleurer. Et quand il a pleuré, ses larmes ont tombé dans les pieds de Jésus. Et cette femme, il a pris ses cheveux, a commencé à nettoyer. Et il n'a pas fini là. Il a pris encore une vase de parfum qu'il avait. Et si je ne me trompe pas, la Bible dit que ça coûtait beaucoup de l'argent, cette parfum. Et quand il a cassé ça, Judas, il a vu dans son cœur, il a dit, ah, cette femme aussi, pourquoi elle a cassé? Il faut prendre ça, de vendre, de prendre cet argent et de donner aux pauvres. Mais quand Judas, il a pensé ça, Jésus a commencé à parler. Alléluia. On va essayer de comprendre. Ils étaient en train de manger, Jésus ne disait rien. Vous comprenez? Mais quand cette femme a entré, il a fait cette action, Jésus a commencé à parler. Pourquoi? Il y a une chose qu'on ne comprend pas. Maître, quand on vient vers Jésus, ne cherche pas à demander d'abord. Alléluia. Ne cherche pas à demander d'abord. Cherche d'abord à donner à Jésus. Et quand on dit donner à Jésus, plusieurs fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas vraiment l'argent qui est plus important. Alléluia. Je veux qu'on enlève ça dans notre tête. Des fois, il y a des gens qui marchent dans une vie tordue. Il y a des gens, ils sont encore dans le péché. Mais il n'y a pas honte, il vient donner son dîme. Il n'y a pas honte, il vient donner l'offrande. Papa, maman, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas combien que tu vas prendre dans ton poche pour mettre dans cette panier. Ce n'est pas ça vraiment qui est plus important. Parce qu'on peut aller même dans la rue, on va prier. Même si on n'a pas une toit, on peut prier. Mais le plus important, c'est ton cœur. Cette femme, il a pris ce qui était pressé à elle. Il a commencé à pleurer. Et Jésus a parlé. Vous comprenez? Donc c'est qu'il y a des certains moments, quand on donne à Dieu ce qui est plus important à nous, et c'est là où Dieu va parler de notre vie. Ah, je sais, il y a pas mal de gens qui disent, non, Abraham, quand il a monté, il a donné Isaac. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas le moment de donner Isaac, mais c'est le moment de te donner toi-même. Parce qu'Isaac a quoi? Azamouana. Et comme jusqu'au moment où Mikabayomoko. Parce que le plus important, c'est donner ton cœur. C'est le moment d'aller à la montagne.
Tu dis à Dieu, aujourd'hui j'amène pas Isaac, mais aujourd'hui je viens moi-même comme un sacrifice à tes pieds. Parce que lui, un jour il a monté, il s'est donné lui-même sacrifice. Donc moi, je suis un homme qui a été frappé, ça ne va pas s'arrêter. Toujours quand tu viens, Jésus donne-moi, Jésus pense à moi, Jésus fais-moi. Et quand un jour tu vas entrer te disant, Jésus, aujourd'hui je viens pour te donner. Et je te donne mon cœur, je te offre ma vie. Le plus dangereux, c'est ça. Jésus l'a dit, il reçoit, la pluie tombe, ça commence à pousser. Mais première épreuve qui vient de sa vie, il tombe. Pourquoi? Il n'a pas de racines. Il n'a pas persisté. Persévérer. Persévérance. Persévérer dans la parole. Restez toujours à côté de Jésus. Il y a trois types de disciples. Il y a trois types de disciples de Jésus. Ceux qui sont là quand il y a une multiplication du pain. Sont, il y a aussi qui restent là quand la parole de Jésus devient dure. Et il y a celles qui restent dans la poitrine de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, quand Jésus fait des miracles, ils sont là. Mais quand la parole devient dure, ils partent. Mais il y a les douze qui restent. Mais il y a un moment quand Jésus mange, lui il vient, il prend sa tête, il met dans la poitrine de Jésus. C'est que dans la vie, il y a toujours ça. Il y a toujours des amis qui vont venir parce que tout va bien. Mais il y a des amis qui vont venir même quand tout va mal. Mais on va te critiquer encore. Mais celle aussi, même quand des choses vont mal, les gens te critiquent, ils te disent, tu as commis une erreur, mais je suis quand même ton ami. Il y a un exemple que je vois dans la Bible, Jésus, les jours qui sont les trahis à Gethsémani. Judas, il est venu. Et quand Judas est venu s'approcher, papa Yannon, excusez-moi. Dis-moi papa. Viens papa. On va acclamer pour la gloire de Jésus. Papa Yannon va bouger un peu aujourd'hui. On va imaginer. Papa Yannon, il sait que je l'ai trahi. Papa Yannon, il est conscient qu'il ferme et on l'a trahi. Quand je vais m'approcher de lui, quelle va être la réaction de papa Yannon? Ah, tu seras poussé aux one. Alléluia. Mais quand Judas s'approchait vers Jésus, écoute ce que Jésus l'a dit. Mon ami. Alléluia. Il a dit, mon ami, c'est à travers un baiser que tu es en train de trahir le Fils de l'homme. Donc c'est que malgré tout ce qu'elle a fait, il n'a pas jeté. Il est considéré toujours comme un ami. Papa, tu peux ça. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il n'a pas négligé, il a accueilli. Jésus l'a dit, la première épreuve dans sa vie chrétienne, comme on a dit dimanche, obéti singa libako, papa bandiye kula poko sauté. Alléluia. Omoni libako, on sauté. Alléluia. Yé kula soko ko sauté. Oui, toujours, Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Donc, si on regarde bien les choses, on dirait qu'il est en train d'évoluer. Et à l'autre, il était superficiel. Il y a l'autre qui reçoit avec la joie, ça pousse, mais quand le soleil sort, ça l'étouffe et ça les brûle. Il y a l'autre qui a réussi à, où il y avait des épines. Il a dit quoi? Lui vraiment il reçoit. Il commence à croître, mais c'est les soucis des siècles présents. C'est la séduction de ce monde qui fait quoi? Il étouffe. Je sais qu'on a déjà parlé de ça un jour. Quand tu te sens que tu es dans un millier, que ces gens-là, ils sont en train d'étouffer ta foi, tu as deux choses. Ou bien tu pries, ou bien tu seras vraiment quelqu'un de prière, ou bien tu vas tomber. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Ou bien au kokima,
Sinon, c'est chaud. Pourquoi? On va imaginer, tu as des amis, mais ces gens-là, ils sont beaucoup plus attachés à Makamba Bilamba. Tu vas devenir qui? Vous comprenez ça? Donc, tu seras le sapeur comme eux. Parce que c'est ça vraiment leur monde. Comme quand on était au pays, ma mère me disait toujours, « Ouattambla gana moyibi, okoma moyibi !» Vous comprenez ça? Oh, maman, on a eu baraté au koyiba un jour. Pourquoi? Le problème, c'est quoi en fait? Pourquoi les mamans, ils disent, les parents souvent ils disent ça? Parce qu'un jour, quand il va venir vers toi, il va te dire, « Regarde, j'ai acheté ça, 1500 euros. Regarde, je l'ai volé au magasin ou au Château Rouge. » Vous comprenez ça? Et qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te donner envie. Vous comprenez ça? Ça va te donner envie. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, cherchez d'être toujours entouré avec des gens qui aiment la parole. Ça va t'aider à grandir spirituellement. Quand tu es entouré avec des gens qui n'aiment pas la parole, tu risques d'étouffer ta parole. Parce que quand toi tu vas dire non, aujourd'hui je me prépare pour aller à l'église. Oh, je me prépare pour aller adorer Dieu. Qu'est-ce que lui va te dire? Ah, Benopé, il fait beau aujourd'hui, on va aller à la plage. Et ça vous a forté, ça va te faire quoi? Ça va t'étouffer. Et c'est ça le danger. Et Colin Ango, mais, et je veux t'en donner. Il commence à grandir, mais il n'y a pas de fruits. Et quelque part, Jésus l'a dit, tous les arbres qui ne produisent pas les fruits, on va les couper, on va les jeter dans les feux. Et si vous voyez qu'ils étaient dans mon papa, ils ne vont pas aller sur ce jamais. Et comme ma canne, comme poussière. Ma canne, le bas comme pour toi, comme poussière. Pourquoi? La séduction est le même. Surtout notre jeunesse. Et c'est là où ça devient danger. Alléluia. Notre jeunesse, ça devient danger. Il y a des choses, des fois, quand on était petit, pour voir ça, c'était vraiment impossible pratiquement. Mais aujourd'hui, c'est facile. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu vois les concerts, tu cries, mais oh le mime, c'est l'enfer. Ça tue les gens. Il dit non, ça tue les gens. Quand tu regardes comment les gens ils s'habillent aujourd'hui, c'est impossible. C'est vraiment scandaleux. Tout le monde obligé là, t'as M, moi, là, t'as XL. Pour M, ça, il dit ça nous coûte tellement. Alléluia. C'est incroyable. Avant, c'est là qu'on l'a dit M. Tu sens vraiment c'est M. Aujourd'hui, même L, parce que nous avons ce qu'on m'a dit Sango. Parce qu'il attire les gens. Mais moi, je dois refuser ça. Mais nous, on doit refuser ça. Joseph, il est parti en Égypte. Il a refusé d'être un Égyptien. Il a refusé les coutumes. Parce que la coutume, mon angoisse, c'est normal comme ici en France. Génération Emmanuel Macron. Jeune garçon de Marana Cougar. Non, c'est la France. Mais Joseph l'a dit non. Dans notre royaume, c'est pas comme ça. Est-ce que nous, on va refuser ou on va collaborer avec ces gens? Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Cette femme, la femme de Potiphar, l'a dit, Joseph, Potiphar, il n'est pas là. Personne ne va nous voir. Je t'aime bien. Il a refusé. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Tu vas dire, non, le salaire que j'ai tous, c'est 1200 euros. Quand je vois les comptes, ça me fait 1300. Maman, n'a fout à bien. Maman, n'a fout à bien, mais il y a pas de ticket, nous, en faire, car il vous comprenez pas que Bazo Yiba notre chance. C'est pas normal ça. Comment expliquer ça? C'est vraiment un monde diabolique. La séduction. Aujourd'hui, c'est facile. Comme quelqu'un m'a dit, il y a un pays qu'on appelle le Brésil. Il a dit, quand tu vas là-bas, si tu restes célibataire pendant une semaine, c'est toi qui as voulu. Alléluia. Il a dit, si tu restes célibataire pendant une semaine, c'est toi qui as voulu ça. Comment il a dit, c'est impossible. Tu n'as pas besoin de biper. Un homme, il vient.
Alléluia. Ces femmes qui cherchent un homme là-bas. Quand on voit que la nature change, les choses s'accompliquent. C'est parce que les choses ne vont pas bien. C'est la séduction. Quelle est la séduction dans ce moment aujourd'hui? Congo de basse, va se boire une banane, on pourquoi? C'est la CAF. Alléluia. Tout ça, c'est ça qui va nous détruire. C'est toutes les petites choses-là, si on les laisse comme ça, ça va nous empêcher un jour d'être enlevés. C'est ces petites choses-là qui vont nous empêcher de pousser. Mais il a continué. Il a dit dans les quatrièmes terres. Il a dit dans la quatrième terre, quand ils ont jeté, il a commencé à pousser. Alléluia. Il n'y avait rien. J'aime, lis ça comme ça. C'est de 23, je crois. Oui, 23. 23. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui a reçu la semence dans les bonnes terres, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Acclamons pour la voix de Jésus. Donc, si on fait une échelle de 100%, il n'y a que 25% qui reçoit, il comprend. Après, il y a des fruits. Parce qu'ils ont attendu, ils ont compris. Mais regarde comment ils poussent. Il y a celle qui pousse qui est 30, il y a des autres qui poussent 60, il y a des autres qui poussent 100. Alléluia. C'est que même quand on commence à donner des fruits, motuna motu ya zana moi ya zana ndengene nzamba ko permettre vulana makamba nzambe. Alléluia. Ou azoko produire 30, faut pas des fois trop les forcer. Alléluia. Tikena na maloko la bongo. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qu'on demande des fois au coup pour faire mon inga. On va imaginer une voiture qui amène 4 personnes. Toi, tu lui mets 7 personnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre? Eh ben, maman. Voiture, moi, je mets 5 personnes. Bien, le sang, 8 personnes. Bon, on va prendre mon week-end. Car on va facilement. Pourquoi? Osons respecter ma règle. C'est que même à l'église, chacun de nous a, il a un moyen qu'il est en train de croire la parole de Dieu. Quand il a été monté, on dit que tu as fui le nom, on ne sait plus rien. Un jour, Pierre, il était en train de prêcher, il a dit, faites attention quand Paul il prêche. Alléluia. C'est la Bible. Elle dit, faites attention quand il prêche, parce que c'est une personne qui est profonde. Alléluia. Donc c'est pour cela que Paul quelque part il a dit, Nazo pesa dino lebo mela. Parce que beaucoup n'a point à koya mukwate. C'est que même dans la parole de Dieu, il y a des certaines choses, il y a des certains enseignements qu'on peut les comprendre avec la facilité. Mais il y a des certains enseignements qu'on ne comprend pas avec la facilité. C'est un jour, une personne m'a dit, c'est pour ça que dans l'église, on voit qu'il y a les gens qui n'aiment pas beaucoup prêcher, ils n'aiment pas prêcher beaucoup les livres de révélation. Alléluia. Si tu prends le livre de révélation, c'est un livre profond. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a lu le livre de cantique Alléluia. Sorobongani, les lois appellent son cantique de cantique au pingoui. Alléluia. Si quelqu'un s'est converti aujourd'hui dans le christianisme, tu mets le livre des cantiques, du roi Salomon pour lire, cette personne a vraiment besoin de Bananga à Nini. Pourquoi? Et ça n'a niveau n'a été. Mais quand il va grandir, il va comprendre les choses. Il y a trois livres que roi Salomon a écrit dans la Bible. Il y a les cantiques des cantiques, il y a les proverbes. L'autre, c'est Cantar. Comment on appelle? C'est Ecclésiaste. Hein? En français, c'est Ecclésiaste, je crois. C'est Ecclésiaste. Mais quand tu vois les étapes de cet livre que lui-même a écrit, tu peux penser que c'est trois personnes qui ont écrit ça. Quand il a écrit le livre de Cantique de Cantique, il était un jeune. Mais quand il a écrit le livre de Proverbes, il a commencé à grandir. Mais quand il a écrit le livre d'Ecclésiaste, à Colaki déjà, il a pris la maturité.
Qu'est-ce qu'il a dit? Premier verset de livre des Cantiques, qu'est-ce qu'il a dit? Vanité, vanité, tout est vanité. Donc c'est que niveau ton coco est là. Dans mon niveau, tu dois comprendre comment on zambé. Alléluia. Premier livre de Galates. Yazem, maintenant que nous sommes là, attends. Oh, Yazem, on s'arrête un peu. On y va. Galates, Galates 5. Galates 5, 21. Or, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, hein? La joie. La joie. La paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bienveillance, la bienveillance, la foi, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Nous sommes à la fin, mais nous avons toujours moins quelques secondes dans ma cambo. Donc c'est que ces choses-là, c'est ça qu'on doit trouver dans la vie d'un chrétien. Parce que Saint-Esprit, quand il vient comme sémence dans la vie de quelqu'un, c'est ça que les fruits, on doit voir à cette personne. L'amour. Alléluia. Et quand on parle de l'amour, je sais qu'il y a, pas mal de gens qui veulent définir l'amour. Mais nous, on va le parler par rapport à la Bible. Par rapport à 1 Corinthiens 13. L'amour, il est patient. Il n'a pas la disconscience du mal. L'amour qui supporte tout. Alléluia. Comme j'ai dit à Maman Kelly, parmi les dons spirituels, il y a des gens qui ont inventé leurs dons, les dons des soupçons. Alléluia. Soupçonner les gens. La paix. La Bible dit que cherchez la paix avec tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Cherchez la paix avec tout le monde. La patience. Les amours abafroués. Alléluia. Les amours abafroués spirituels. La patience. Le bébé, c'est que dans les cambounais, on a la patience. Alléluia. Dans tes demandes, sois patient. Alléluia. La patience. La bienveillance. La bienveillance. Donc, oui, comme les cambounais, il y a un peu de chemin qui est roussel. Alléluia. La bienveillance. C'est quoi la bienveillance? La bienveillance. La longanimité. Alléluia. C'est ça. J'ai quelques définitions. La longanimité. La Rousseau, il a dit quoi? Il a dit c'est une attitude selon laquelle un être puissant. Un être puissant subit avec patience et clémence les insultes de quelqu'un plus faible que lui. Alléluia. Papa Michel est le plus fort que moi. Moi, je suis plus faible que Papa Michel. Mais je viens avec l'arrogance. Vous comprenez ça? Mais quand je suis en train de crier, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je suis ça. Mais Papa Michel a fait plus que moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas crier. Akoyo kaya avec la patience, yo gangi na arrogance nyo sozo yo kayo. Vous comprenez ça? Ça nous arrive ou pas? Quelqu'un veut montrer le plus que toi. Ah! Il y a des gens, j'ai déjà entendu certains langages. Nangaba mekaka, tenga soko meki, tu panzani. Alléluia. C'est qu'il n'y a pas ça. Alléluia. Supporter les gens. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont vraiment insupportables. Ça, c'est sûr. Mais tu dois les supporter. Pourquoi? Tu dois montrer la différence que moi, j'ai Saint-Esprit en moi. Vous comprenez ça? Jésus, c'est lui qui nous a créés. Mais quand l'homme il a commencé à les frapper, il a dit capable de se petit soco toucher ngaba ange ba ko kata au support. Il a fait quoi? Il a laissé l'homme le toucher. Alléluia. Notre moi qui est un peu difficile, la bienveillance, la capacité de se montrer gentil. Alléluia. C'est une capacité de se montrer, d'être disponible pour tes frères, sans aucun intérêt. Parce qu'il y a certains gens qui ont sous les lots, parce que nous avons sous les lots, nous avons sous les lots.
Alléluia. C'est pas ça. Il y a de certains gens, tu vois, il est intéressé. C'est beaucoup plus côté côté de nous les hommes. C'est un jour courrier, il attend que ça sert courrier. Mais si c'est un jour courrier, j'attends que ça sert courrier avec une autre intention. Alléluia. Oui, j'ai un ami qui a perdu sa femme ici comme ça. Quelqu'un qui lisait toujours de courrier pour cette sœur. Demain, il a mis son dossier aussi. Allez, tout est à foire. Alléluia. Vous comprenez ça? Alléluia. Oui, c'est un danger. Donc, tu aides quelqu'un sans aucune intention. Dans un sommeil pour un lobby, dans un salabou. Il y a certains gens, j'ai un petit problème chez moi à la maison. Lui, il vient pour te donner des conseils. Avec une autre intention. Boyanoye. Ce boyan dans un livre côté. Alléluia. C'est qu'il n'a pas de fruits spirituels. Et c'est ça le danger. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus.